Salutations personnes de tout genre et bienvenue dans cette nouvelle VOD, nouvelle découverte de démo concernant le NeoFest d'octobre 2024. Cette fois-ci j'ai réussi à le dire, on va découvrir le jeu Grimfield Mystery. Et voilà, c'est parti. Donc que de l'anglais encore une fois je crois. Visuellement ça me rappelle beaucoup Lost and Play, je sais pas si c'est les mêmes personnes. Mais je trouve que visuellement ça y ressemble de ouf. Ouais, on pourra, Clem. Alors, attendez. Donc ça c'est pour bouger la main, et ça c'est pour interagir. Ok. Juste, faut bien que je repense à mettre le son au bon endroit. Voilà. Incroyable. Ah, ça y ressemble de ouf. Hey, elle! Hey, elle! Oui. Oui? Ok. On a reçu un indice qui nous dit qu'il se passait quelque chose d'étrange dans la vieille cabane. Près du marais. Je suis sûr que tu y trouveras un truc intéressant. Signé Monsieur Vérité. Ok. Eh ben, allons voir. Visuellement, c'est super beau. Par contre, j'aime pas du tout le côté... Ouais, je vais gérer comme ça. À la manette, c'est une horreur. Enfin, c'est très très con comme gameplay. Ils ont déjà fait une démo que j'avais faite? Quoi comme démo? Ok. Parce que je trouve que ça ressemble de fou à Lost in Play. Bah c'est ça, la manette, c'est pas incroyable. C'est très bizarre comme approche. Ah, Teeny Sticker Tail, ils ont fait? Ok. Tu vois, j'aurais pas cru. Bah, non, c'est bien ça. J'ai l'impression que c'est bien là qu'il faut que j'aille. C'était bien ça. Ils sont éditeurs et développeurs. Ok. Salut. Mais je me demande s'il n'y a pas des gens de Lost and Found, enfin de Lost in Play qui n'ont pas bossé dessus. Est-ce qu'ils n'ont pas pris le même gars pour faire les dessins? Enfin la même personne. C'est complètement l'âne trop sur la quoi il ressemble de fou. Ouais. On dirait qu'il y a des vignes devant, je ne peux pas passer. On t'arrête de chialer! S'il te plaît, aide-moi à trouver mon Teddy! Il est à l'intérieur de la maison! T'abuses. Ah! Possible, Baldrine. Tada! Mais par contre, je trouve que manette, enfin, si tu laisses la manette et que tu joues par contre clavier-souris, c'est une super revisite du point and click. C'est une manière de garder l'aspect point and click tout en ayant vraiment l'impression de jouer. Et je trouve ça assez incroyable. Donc là, ouais, on est d'accord, je peux pas y aller.
Donc le teddy a visiblement été mis dans une boîte dehors. Mais c'est ultra creepy. Des cheveux de la petite fille ainsi que ses dents de lait. Non mais je parlais pas forcément des noms de... Enfin je parlais de vraiment de personnes physiques quand même, plus que de noms de développeurs. Après peut-être pas, hein. Peut-être que les œufs ont... Peut-être que c'est juste que ça se ressemble. Ok, donc il faut que je trouve une vieille boîte qui visiblement a été mise dehors. Mais avant, on va finir de fouiller. Le vieux monsieur. Ok. Mais tu vois, même elle me dit quelque chose, cette chèvre. Home sweet home. Ah ouais, grave, sweet home, ouais, avec la petite fille là. Mais l'aspect horrifique me plaît beaucoup. Je peux pas l'ouvrir de ce côté. Ok. Ghostface. Viens, on se dit t'es pas méchante. Bon bah d'accord. Ah, non d'accord. Hey, Zou! Angela. Ouais, j'ai eu des meilleurs jours. Bah, j'espère pour toi, mais... J'en ai eu un sur trois. Ok. J'aime beaucoup. Ah, par contre, j'ai ma main qui est bloquée, je peux plus rien faire. Elle était pas dehors juste avant? Si. Mais je crois que j'ai réussi à faire planter le jeu. Je peux plus rien toucher. Genre, je peux même pas rééteindre la lumière. Ouais, vous pensez que vraiment que c'est un bug et pas que... Ou alors c'est qu'il me manquait un truc dans la pièce, mais je vois pas où est-ce que j'aurais pas cliqué. Ah oui, non, je peux toujours cliquer, donc c'est qu'il doit me manquer des trucs. Ah bah non, ça a remarché, d'accord, bon. Ok. Donc il a un œil content. S'il a un œil content, c'est une bonne chose. Il faut que je trouve l'interrupteur. Ça va, Ripopette. Le tableau là-bas est très bizarre quand même. Waouh, c'était chelou. Mais au moins je peux bouger la statue maintenant. Attendez, j'ai rien oublié ici. J'ai pas une mythe ou un truc du genre que je puisse trouver. Sérieux? Y'a rien d'autre? Je t'ai déçu un peu, non? Faut que je trouve un moyen de casser ce truc-là. Ah!
Incroyable. Je me rappelle pas d'un truc qui était spécialement fermé. Ouais, c'est fermé, la porte. Et oui. Je veux la clé. Oh, fuck. Ah. Voilà. Il y a des petits soucis à régler là-dessus, quoi. C'est quoi cette odeur ? Un screamer raté. Oh, ça c'est la référence Gravity Falls un peu. Le trickster. Ok. Il a mangé la petite fille. L'odeur c'est le papa dead. Ouais, je me doute. Oups. Les seuls trucs qui sont écrits sur ce livre, c'est des paroles magiques. Oh, ça, j'ai pas moyen de le replacer pour que ça fasse un truc. Jeez. Elle a changé. Ok. Il a invoqué Cthulhu's. Pas mal. Faire attention de ne pas écraser un petit chien. Donc il y a un truc qui a bougé. Est-ce que ce serait pas ça? Mais si, bien sûr que si, c'est ça. Salut Teddy! Ah. Ouais. C'est pas très clair. L'ambiance est très prenante, ouais. Mais je trouve que les énigmes sont pas forcément très claires à chaque fois. Parce que là, je peux cliquer dessus, mais... Et alors? Peut-être qu'il faut que je les fasse dans l'ordre qui est en bas, mais il y a des trucs qui apparaissent jamais. Ah, voilà. Ouais, c'était risqué. On va attendre la prochaine. Tu m'auras pas parce que t'es tout nul. Mais rappuie! Non, j'ai encore le bug. Attendez. Bah ouais, mais j'avais le bug. Ça perd l'hypopète. Bon, le jeu est gentil en sauvegarde, par contre. Ça a pas l'air d'être trop punitif. Ah bah non, c'est pas le même code. Poisson en l'air. Truc sur le côté. Et voilà.
Tiens, bouffe. Et ensuite, le monsieur content trois fois. Monsieur content. Le fait qu'il y ait des boss, c'est rigolo. Alors, l'œil vers le bas. Il apparaît un jour le symbole ou... Bon, c'est un peu long pour rien là. Et toi, Cruzal, t'en avais pensé quoi quand tu l'as fait hier? Allez. Allez, les jeux vidéo m'ont appris que trois fois ça suffisait. Yes. Et c'est tout. Oh. C'est trop court. Mais l'idée a l'air incroyable. C'est ça, ouais. Et design et visuel très cool, mais à suivre, quoi. La démo est un peu courte. Ça aurait été bien que la démo nous montre un autre moment avec un peu plus de gameplay, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Mais effectivement, on est en train de faire pousser Cthulhu derrière, on dirait. Et salut, Raph. Bah écoutez, fin de la VOD dans 3, dans 2, dans 1. Et merci d'avoir été là. Bisous.